Alors, comment est-ce que vous envisagez cette nouvelle saison après une saison l'année dernière qui a été assez difficile pour le club? Alors, premièrement, on essaye de construire une équipe qui serait durable. Donc qui durerait pas juste une année comme ça, mais on a essayé de recruter des joueuses qui pourraient rester plusieurs années, des jeunes françaises ou des étrangères qui sont attachées au club. Et puis on essaye de pas se prendre la tête pour l'instant et juste d'essayer de former un esprit d'équipe. Et puis après les résultats vont venir avec. Un peu plus sereine que la saison passée. Une préparation physique qui a été dure, mais qui je pense sera bénéfique pour les prochains matchs. Et une cohésion de groupe qui est beaucoup plus présente que l'année dernière. On va faire match par match. L'objectif reste d'atteindre les playoffs. Et au niveau des recrues, un petit peu des nouvelles joueuses, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Eh ben, elles apportent un second souffle au groupe et au club. Elles apportent beaucoup, aussi bien sportivement qu'humainement. Et j'ai hâte de commencer la saison. La saison dernière, bon, elle a pas été très bonne au niveau comptable. Comment vous allez faire pour effacer un petit peu cette saison, pour repartir un petit peu mieux, un peu plus de l'avant? Eh ben, elle est déjà effacée cette saison pour nous, je pense. On se focalise plus sur ce nouveau groupe, sur l'équipe de Chamalières, c'est celle-là, et on aimerait donner une autre image aux gens. Quels sont les objectifs du club cette saison? Alors, on n'est pas très très sûr, on n'est pas très d'accord avec le coach. Nous, on en a parlé avec les filles, on envisagerait bien le play-off. Après, on va faire match par match et on verra bien. Alors, ça va être un championnat un petit peu particulier parce qu'il va être en deux étapes. Il va y avoir une première phase de poule et après play-off ou play-down. Est-ce que ça change quelque chose, ça, dans la préparation et puis dans la façon d'envisager un championnat? Alors oui, ça change beaucoup de choses parce que déjà le championnat est beaucoup plus long. Donc il commence samedi 21 septembre et il va finir mi-mai. Donc c'est beaucoup plus long que d'habitude. On a une grosse trêve. Pendant un mois et demi, on ne joue pas. Donc ça rajoute un temps de préparation. Par contre, on sera pas forcément prête. On pourra pas faire des. On sera pas dans le show du match. Ça sera assez difficile. Le championnat donc commence ce week-end. Vous allez enchaîner deux réceptions. Voilà, est-ce que ça change quelque chose de commencer à domicile? C'est peut-être un plus. Oui, tout à fait. Je pense que le tirage au sort a été plutôt favorable pour nous parce que pas seulement qu'on reçoit deux équipes à domicile, mais c'est deux équipes qui montent en DEF. Donc l'objectif c'est de gagner et d'avoir cet avantage de profiter de cet avantage de jouer à domicile. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu justement sur ce championnat, sur cette poule qui vous attend avec Clamart, Mulhouse? Alors, on n'a pas beaucoup d'informations. On connaît déjà l'équipe de Vannes et l'équipe de Marcq-en-Barœul parce que les filles les ont eues l'année dernière. Par contre, les autres équipes, c'est des équipes qui montent. On ne connaît pas forcément. On ne sait pas si elles se sont beaucoup renforcées, comment elles ont recruté. Donc, c'est vraiment à voir dans le cours de la saison. Alors d'après la préparation que vous venez de vivre, vous sentez que l'équipe est prête à partir là sur ce nouveau championnat qui commence? Oui, tout à fait. On sent déjà maintenant, même si il y a des défauts techniques, il y a déjà un esprit d'équipe et surtout on se sent bien ensemble. On a envie de mouiller le maillot pour le club et c'est ça qui est le plus important.